Alors il faut se retourner pour voir le... Non, tout sera là. Ah oui, c'est là. Très bien, parfait. Très bien. Donc voilà, bon, on va rapprocher un peu. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois que des gens rentrent encore, mais on va commencer tranquillement. Donc c'est la première séance de l'Université populaire. Ouf, j'ai l'impression que j'ai un petit Larsen là. Je vais repousser un petit peu le micro. C'est la première séance de l'Université populaire pour l'année 2023. Très heureuse d'accueillir en fait Philippe Descola et Georges Didier Huberman qui ont accepté de venir nous parler de questions de transmission et de figures, de visibilité, d'images et éventuellement d'art. Et nous poursuivons donc cette interrogation que nous partageons donc avec les gens qui s'intéressent à la transmission, la possibilité de l'envisager du point de vue visuel. Donc c'est un grand honneur de les avoir tous les deux, et d'autant plus, d'abord qu'ils sont une extension un petit peu de notre travail commun avec Anne-Christine Taylor, puisqu'elle est anthropologue et je suis historienne de l'art. Donc, d'une certaine manière, cette discussion, nous l'avons dans la conception du programme, en tout cas sur le plan disciplinaire. Et c'est encore, c'est aussi une grande chance pour nous d'accueillir Philippe Descola et Georges Didier Huberman aujourd'hui, qu'ils n'avaient jamais publiquement, en tout cas, eu une discussion sur la question à la fois de l'anthropologie des images, de l'anthropologie et les images, et de l'histoire qui travaille avec l'anthropologie. Donc, sous tous ces angles, il est évident que leurs travaux se croisent, même s'ils partent de points différents. Enfin, ils ambitionnent l'un et l'autre, nous semble-t-il, de faire se croiser la question des images et de l'anthropologie. Et c'est donc une occasion rêvée, en quelque sorte, pour cette université populaire au sein du musée du Quai Branly, que de les avoir tous les deux en discussion. Et comme leur parole est précieuse, je ne vais pas occuper plus longtemps le devant de la scène. Et puis on commencera donc par écouter Philippe Descola, qui nous parlera, je crois, à partir de son dernier livre, Les figures du... J'ai un trou. Les formes du visible. Et puis, Georges Didier Huberman prendra la parole ensuite, autour de son travail. Enfin, il est titulaire de la chaire d'anthropologie des images à l'EHESS, donc il parlera aussi de son travail sur les images, bien évidemment. Et puis, nous espérons bien qu'ils pourront discuter l'un et l'autre ensuite, et bien évidemment, vous aurez la possibilité aussi de les interpeller à l'issue de leur présentation. Voilà, donc Philippe, je vous donne tout d'abord la parole. Merci Anne pour cette occasion de dialoguer avec Georges Didier Huberman, nous avons été collègues à l'École des hautes études en sciences sociales pendant 30 ans. Et effectivement, nous n'avions jamais trouvé l'occasion de commencer ce dialogue. Je lis Georges Didier Huberman depuis très longtemps avec passion, et donc je suis très content de cette occasion qui nous est fournie ce soir. La question que pose ce cycle de conférences, c'est la transmission, et donc la question qu'on se pose ce soir est: qu'est-ce que les images transmettent? Elles transmettent énormément de choses, et je ne voudrais parler que d'un petit aspect de ce qu'elles transmettent, celui qui m'a intéressé au fil des années, et c'est au fond ce que j'appellerais l'ossature du réel, c'est-à-dire au fond l'architecture des mondes tels que ces mondes sont perçus, dont des populations en parlent. Et donc on a des textes, on a des récits à ces propos, on a des mythes, on a des descriptions de rituels, on a quelquefois des traités savants, mais on a aussi des images. Et ce qui m'intéresse dans les images, ce n'est pas tant ce que les images montrent lorsque ce sont des images iconiques, c'est-à-dire les aspects du monde qu'elles figurent, que la manière dont elles le montrent, et donc les artifices, les procédures formelles au moyen desquelles elles figurent des mondes particuliers. Je me suis intéressé aux images comme anthropologue, Anne Lafont l'a dit tout à l'heure,
après m'être intéressé ou avoir travaillé soit de façon directe comme ethnographe en Haute-Amazonie, soit en me fondant sur les travaux ethnographiques ou les travaux historiques qui peuplent nos bibliothèques. Et je me suis dit à un certain moment, les différentes manières de construire des mondes que j'avais essayé de mettre en évidence dans mes travaux auparavant à partir de textes, on peut effectivement les discerner aussi dans les images. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ce soir. Je vais le faire essentiellement en commentant des images. Alors, une des façons qui m'a le plus bouleversé, puisque c'est celle que j'ai rencontrée sur le terrain en Amazonie, de composer un monde, c'est ce que j'ai appelé l'animisme en utilisant un terme qui était tombé un peu en désuétude et qui consiste au fond à faire des inférences quant au comportement des objets dans le monde qui ne sont pas humains, notamment des animaux, en leur prêtant le même type d'intention, le même type de désir, le même type de vie intellectuelle et morale que celle que l'on reconnaît aux humains. Ça, c'est un des aspects, on peut dire, classiques de l'animisme qui avait été mis en évidence par toute une cohorte de grands savants depuis la fin du XIXe siècle. Mais il y a un autre aspect aussi qui est le fait que chaque forme de vie, chaque espèce, si vous voulez, encore que c'est un côté un peu naturaliste, donc je préfère parler de forme de vie, chaque forme de vie a des dispositions qui lui permettent de se connecter au monde d'une façon différente d'autres formes de vie. Autrement dit, il y a de très nombreuses manières du fait des modes de locomotion, des modes d'alimentation, de la sexualité, etc., de se relier au monde. Et la plupart de ces formes de vie ont des existences propres qui se rencontrent à l'occasion dans la prédation, dans la chaîne trophique, puisque c'est des idées qu'on trouve beaucoup dans les régions tropicales. Et évidemment, cette façon de voir les choses est aux antipodes de la nôtre, de celle qui s'est développée dans la modernité, d'abord dans les images et ensuite dans les textes, d'abord dans les images au XVe siècle et ensuite dans les textes à partir du XVIIe, et qui met plutôt l'accent sur le fait que, en réalité, les humains sont les seuls à avoir une intériorité, une subjectivité, une âme, une conscience, un esprit, mais qu'en revanche, tous les êtres sont soumis aux mêmes lois de la nature. Donc on a des différences qui sont faites dans les deux cas, dans le cas de la modernité, donc j'ai appelé ça le naturalisme, et dans le cas de l'animisme, des différences qui sont faites entre les humains et les non-humains, mais ces différences, elles ne passent pas par les mêmes limites, par les mêmes frontières. Et je voudrais essayer de montrer ça, pour commencer, dans des images. Alors j'espère que... Voilà. Et je vais prendre des images pour l'animisme qui ne viennent pas d'Amazonie, mais qui viennent du nord de l'Amérique du Nord, chez les Yupik, qui sont un peuple qui parle une langue esquimau de l'Alaska, et qui organisait, puisque ça n'est plus vraiment le cas maintenant, même s'il y a des essais de reconstitution, au fond, de ces rituels, des fêtes dans des grandes maisons d'hiver pour accueillir les esprits animaux. Et ces esprits animaux étaient incarnés, incorporés par des danseurs qui portaient des masques. Et ces masques avaient pour caractéristique, comme vous voyez dans celui-là, de figurer de façon très reconnaissable un corps animal, en l'occurrence une tête de renard, et avec une petite figure humaine insérée dans le masque. Et cette figure humaine, c'était non pas un humain déguisé ou un humain qui affleure à la surface de ce renard, mais la conscience subjective de l'esprit de ce renard figuré sous la forme d'un visage humain, le visage humain étant une sorte de prototype, au fond, de la conscience, de l'esprit, de cet être. Donc c'est une... Et on trouve dans cette région toute une déclinaison
de cette formule. Alors ça, c'en est une autre qui est très économique puisque le visage humain là n'est pas figuré à part, mais il intervient comme une forme émergente à travers le fait que, évidemment, c'est un masque qui est porté verticalement et les deux fentes pour les yeux suggèrent immédiatement l'humain qui est derrière. D'ailleurs, les humains n'étaient pas du tout déguisés, ils ne portaient pas de costume qui visait à déguiser leur corps. Ils étaient la plupart du temps presque nus et donc il n'y avait pas de confusion possible. On savait que c'était un humain qui incorporait un point de vue animal. Et cette incorporation, elle était rendue plus systématique et pertinente par l'usage des masques. Alors ça, c'est une façon complexe et subtile de rendre visible quelque chose qui est absolument fondamental dans l'animisme et qui est la métamorphose. La métamorphose, ce n'est pas la transformation au sens de d'Ovide, c'est-à-dire le passage définitif d'un corps humain, un corps animal ou un corps végétal, c'est le changement de point de vue, le changement de perspective qui fait que l'on peut voir n'importe quel être, soit du point de vue de son apparence extérieure, soit du point de vue de son corps, soit du point de vue donc de sa dimension physique, soit du point de vue de la perspective interne, c'est-à-dire de son intériorité, de sa subjectivité. Et les masques à transformation tels que celui-ci, qui sont des grandes caractéristiques des sociétés amérindiennes de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, permettent de rendre visible cela, puisque vous avez, dans le cas présent, trois transformations possibles. La transformation extérieure, qui est celle d'un chabot, qui est un poisson de ces latitudes, qui s'ouvre pour rendre visible, c'est l'image du dessous. Alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, c'est peut-être ça. Ah non. Ah oui, de toute façon, c'est derrière, oui, bien sûr. Donc c'est l'image de gauche en dessous, où il y a un corbeau. Et ce corbeau, en réalité, c'est un masque que le chabot va porter dans certains rituels. Et tout à fait au fond, on a le visage de l'esprit de type humain qui anime ce personnage, qui est donc à la fois un poisson, mais un poisson esprit, et qui, dans certaines circonstances, va mener des rituels où il est nécessaire qu'il porte un masque. Une façon très économe de figurer la métamorphose, c'est celle qui a été adoptée dans ce masque et qui est une grande division latérale entre la face d'un renard sur la droite et la face de l'esprit qui, au lieu d'être figuré sous la forme d'une pastille ou une petite incrustation sur le masque, est figuré par une division latérale. Et on peut donc basculer de la perspective de l'animal de physique, hein, si vous faites comme ça avec la main, vous cachez la face animale, et vous verrez la subjectivité humaine qui apparaît, et vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif qui permet la commutation, c'est-à-dire la métamorphose, la commutation d'un aspect de l'image à un autre aspect, c'est un peu comme les illusions, notamment cette illusion du canard et du lapin, hein, dans lequel, effectivement, lorsqu'on voit l'image du canard, on est bloqué dans une image, on ne voit plus le lapin. Et lorsqu'on voit l'image du lapin, on ne voit plus l'image du canard. Et là, ça permet de sortir de cette illusion et de basculer de l'un à l'autre. Et c'est intéressant de voir que dans d'autres régions du monde, qui n'ont à l'évidence pas eu de connexion historique, puisqu'on est avec ce masque de chaman Betisek en Malaisie, chez un peuple dit Orang Asli, c'est-à-dire les peuples autochtones de Malaisie, et vous avez le même dispositif formel qui est employé
avec le visage du tigre sur la partie droite et le visage humain sur la partie gauche, et là aussi la possibilité de basculer, c'est-à-dire d'opérer la métamorphose entre le point de vue de l'intériorité, point de vue subjectif, et le point de vue physique. Et c'est une des choses qui m'a intéressé dans l'enquête que j'ai menée, c'était d'essayer de trouver des moyens formels identiques employés par des peuples extrêmement éloignés les uns des autres pour rendre compte des mêmes phénomènes. Les Mabétisèques, les Orongasli en général, c'est-à-dire les peuples autochtones de Malaisie, ont ce site particulier ils sont très caractéristiquement animistes. Et à vrai dire, je les connaissais par des textes, parce que j'avais lu des ethnographies sur eux, mais je ne connaissais rien à leur production imagée. Et lorsque j'ai découvert ce masque chez un ami, j'étais absolument bouleversé, parce que c'était au fond une confirmation qu'un même dispositif avait été employé à des milliers de kilomètres de distance. Ça, ce sont des peintures corporelles Kwakiutl, donc on revient vers la côte pacifique de l'Amérique du Nord, qui ont été relevées par Boas, et qui figurent des peintures qui sont portées par des garçons dans une société secrète, et qui figurent des animaux. Et là aussi, la métamorphose, elle est obtenue par un moyen très simple, c'est que ces figures, elles sont là représentées de face, mais sans qu'on puisse voir de quelle façon est-ce qu'elles se présentent dans l'espace. À la droite, par exemple, vous avez une grenouille. Vous voyez que la face supérieure de la grenouille, ses yeux, sa bouche, etc., sont sur le dos du jeune garçon. Et en réalité, il faut imaginer ces garçons en train de danser dans une position telle qu'ils donnent l'illusion de l'apparence générale d'une grenouille, mais ça n'est qu'une illusion parce qu'on bascule sans cesse de la perception de l'animal à la perception du fait que c'est un humain qui figure l'animal, et que donc derrière l'animal, il y a une intériorité de type humain. Donc c'est une métamorphose d'un genre tout à fait particulier. Même procédé employé très très loin là de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, puisqu'on est en Nouvelle-Guinée, chez les Kalouli, peuple des hautes terres de Nouvelle-Guinée. Vous avez sur la gauche un costume typique d'un homme adulte ayant atteint un certain statut, et donc d'une certaine façon ce costume est indiciel, c'est-à-dire il donne des indications sur les différents éléments qui permettent d'identifier cet homme à l'intérieur d'une classe d'âge et ayant accompli tel ou tel période d'initiation rituelle, etc. Mais en même temps, chez les Kalouli, comme dans beaucoup de populations des hautes terres de Nouvelle-Guinée, le rapport aux oiseaux joue un rôle fondamental parce que les oiseaux sont l'incorporation d'esprit des morts. Et par conséquent, faire advenir des oiseaux, des hommes oiseaux, joue un rôle extrêmement important, rituel et en même temps affectif. Et ce même costume peut s'animer, lorsqu'il est évidemment porté par quelqu'un qui l'anime, les Kalouli font des rituels qui durent très longtemps, comme c'est souvent le cas, toute une nuit. Et au milieu de la nuit, on voit ce personnage qui sautille, et les plumes oscillent comme des ailes, parce que, comme vous voyez sur la gauche, ce sont des brassards sur les bras, et tout d'un coup, on se dit, tiens, il est là, l'homme oiseau. Et donc, la métamorphose aussi s'est opérée de cette façon-là. Là, on revient en Amazonie. Alors,
L'animisme, une des caractéristiques de cette façon de détecter dans notre entourage des éléments pertinents pour les construire dans un monde très particulier, est fondée sur aussi l'idée que les non-humains se voient comme des humains. Autrement dit, lorsque des humains veulent rendre visite à des non-humains, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut qu'ils, et ça, ce sont les chamans en général, il faut qu'ils se déguisent en non-humains. Et c'est ce qu'a fait cet homme, puisque les non-humains se distinguent entre eux, et à la fois à l'intérieur d'un groupe et à l'intérieur et entre eux, entre espèces, par le fait qu'ils portent des peintures corporelles sur leur corps humain, sur le corps qu'ils voient comme étant un corps humain. Autrement dit, lorsque l'on veut devenir une sorte de citoyen d'honneur d'une espèce animale, il faut sur son corps porter les peintures corporelles de l'espèce que l'on cherche à rejoindre. Et les chamans font ça parce que c'est leur rôle. Pourquoi ? Parce que dans tout le monde animiste, que ce soit en Amazonie, en Amérique, dans le nord de l'Amérique du Nord, dans la zone périarctique, en Sibérie, etc., il y a un très grand risque. Ce sont des sociétés qui ne sont pas exclusivement des chasseurs, mais qui vivent beaucoup de la chasse. Et il y a un très grand risque, c'est qu'en mangeant des animaux, on va manger, absorber l'intériorité des animaux, on va absorber leur subjectivité. C'est ça qui rend malade et qui, en dernière instance, fait mourir. Et donc le rôle des chamans consiste à être des intercesseurs vis-à-vis des communautés animales, de façon à prévenir ce grand péril qu'est le fait que l'on absorbe des lambeaux de subjectivité avec la viande que l'on mange. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils rejoignent des communautés animales et qu'ils adoptent pour cela un camouflage ontologique, c'est-à-dire qu'ils soient pris pour autre chose que ce qu'ils sont, en se déguisant d'une certaine façon, avec des costumes qui sont simplement leur corps, mais avec les peintures corporelles dont ils pensent que les animaux sont revêtus. Alors là, on va basculer dans un monde qui est beaucoup plus familier que celui qui m'est commun, qui est plutôt le monde de Georges Didier Huberman, dans ce que j'ai appelé le naturalisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse de l'animisme, c'est-à-dire le fait qu'au fond, il y a une seule nature et de très nombreuses cultures, et que ces cultures sont toutes marquées par le fait que les humains ont une intériorité distinctive, ont des prérogatives subjectives, morales et cognitives qui les différencient du reste des non-humains. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place avant que ce soit développé dans les textes à partir de, disons, la révolution mécaniste ou la révolution scientifique au XVIIe siècle, qui se met en place dès le XVe siècle, à travers deux nouveautés dans la peinture, qui sont la figuration de l'intériorité humaine, du caractère distinctif de l'intériorité humaine par la peinture de l'âme, la peinture du visage, du regard, etc., l'art du portrait, et la peinture de la nature, c'est-à-dire la peinture d'un monde qui est organisé de telle façon que chacun de ces éléments paraît coordonné avec le reste dans un espace pictural qui vise à émuler la vision humaine. Chose qui est tout à fait exceptionnelle dans les autres formes de figuration, où au contraire, on va s'attacher à figurer le plus grand nombre possible de caractéristiques d'un être ou d'une situation que l'on dépeint en multipliant les points de vue sur cet être ou cette situation. Par exemple, dans les peintures, enfin dans les figurations classiques de la côte nord-ouest du Pacifique, il y a cette fameuse image sur laquelle Boas a beaucoup écrit, qui est celle d'un animal, par exemple, qui est séparé par une ligne au milieu, qui représente en fait le dépliement autour d'un axe de symétrie des deux côtés de cet animal. Autrement dit, vous le voyez
En première approximation, on dirait un animal vu de face. En réalité, c'est un animal dont les deux côtés ont été dépliés par rapport à cet axe central. Et comme Boas, Franz Boas, l'un des précurseurs de l'exploration de l'anthropologie des images, et évidemment aussi de l'anthropologie en général, ça se remarque parce qu'il y a une fente sur le front, autrement dit. Ce n'est pas un animal qu'on voit de face, parce qu'à ce moment-là, il aurait un front bombé, mais c'est un animal que l'on voit déplié en deux, parce qu'on a la fente qui prend son point de départ sur le front. Ça, c'est la forme la plus commune de figuration dans le monde, en dehors des imagiers européens. C'est la multiplication des points de vue sur une même image, et c'était la plus commune aussi, ça l'a été pendant longtemps dans l'imagerie du Moyen Âge d'ailleurs. Et donc on a ce grand bouleversement qui se produit au XVe siècle, avec en plus une obsession du détail pour que le monde soit le plus riche et le plus complet possible. Et encore une fois, du point de vue d'un individu humain, c'est-à-dire en émulant la vision humaine, c'est-à-dire dans une façon de voir les choses qui est monoperspectiviste et non pas polyperspectiviste, comme c'est le cas ailleurs. Voilà, c'est un triptyque de Robert Campin, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration, dont on a retiré la partie centrale, c'est une annonciation, la partie centrale, pour mettre l'accent sur ce double aspect que j'évoquais tout à l'heure, de la figuration de la subjectivité. On le voit avec les deux donateurs sur la gauche, ils ont une présence tout à fait exceptionnelle, et on voit aussi sur la droite cette figuration de la complexité du monde dans l'atelier de Joseph, avec ce dispositif classique de la fenêtre, ce qu'on appelait la fenêtre flamande, c'est-à-dire au fond l'amorce de la peinture de paysage telle qu'elle est découpée dans une fenêtre ou une baie, une croisée à l'arrière-plan. Alors on a évidemment une façon très exceptionnelle de combiner ces deux aspects, hein, de la figuration de la subjectivité d'une part et de la mise en ordre du monde dans cette peinture très connue du Louvre, de la Vierge au chancelier Rollin, où on voit l'extraordinaire présence au fond du chancelier, qui était un personnage considérable, et en même temps la construction très complexe de cette image, parce que ce que l'on voit là, c'est ce qu'il voit lui, c'est-à-dire il voit la Vierge, et en même temps nous voyons le chancelier Rollin voyant la Vierge, et à l'intérieur d'une image dont l'arrière-plan est d'une très grande complexité. Je vais m'arrêter là pour les peintures naturalistes, il y aurait beaucoup à en dire, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, pour passer à une autre forme de composition des mondes on peut appeler le totémisme. C'est un concept que les anthropologues ont inventé aussi pour désigner les façons extrêmement originales qu'avaient les aborigènes australiens de combiner dans des mêmes ensembles des humains et des non-humains. Un groupe totémique, c'est un ensemble d'humains et de non-humains qui, du fait qu'ils ont reçu d'un prototype originel des caractéristiques physiques et morales semblables, forment un ensemble cohérent. Mais ces caractéristiques physiques et morales, en particulier physiques, ne sont pas celles qui nous sont familières, puisque nous avons l'habitude depuis Aristote de juger aussi de la différence à partir de la forme. Là, ce n'est pas tant la forme qui compte que des dispositions plus générales, comme d'être plutôt élancé ou plutôt corpulent, d'être plutôt rapide ou plutôt lent, d'être plutôt foncé, plutôt clair, etc. Et ces qualités physiques font que des animaux et des plantes, mais surtout des animaux, la plupart des noms de totems, ce sont des noms animaux,
des noms d'animaux, vont pouvoir synthétiser à l'intérieur d'un groupe social des caractéristiques physiques et morales identiques, unissant des humains et des non-humains à l'intérieur d'ensembles de propriétés, si vous voulez, qui vont différer d'autres ensembles de propriétés caractérisant d'autres groupes d'humains et de non-humains. Alors, une des façons de représenter cela, au fond, c'est de représenter le prototype, c'est-à-dire, au fond, l'être qui est à l'origine des caractéristiques du groupe social. Or, ces prototypes, si on regarde les récits étiologiques qui les désignent, c'est-à-dire le récit des aventures de ces prototypes à la surface de la Terre il y a longtemps, rendent compte des différentes péripéties en fait, que ces prototypes ont traversées, ces prototypes portent souvent des noms d'animaux. Mais ce ne sont pas des animaux parce qu'ils n'ont pas, ils se comportent comme des humains en réalité. Et le nom animal est en réalité un nom de propriété. Et donc on va dire le rapide ou le lent ou le guetteur ou le curieux. C'est un nom de qualité, si vous voulez, qui va servir à désigner un animal. Et donc ça n'est pas un animal qui est à l'origine d'une lignée humaine, par exemple, qui est un problème qui a longtemps perturbé les anthropologues pour essayer de comprendre comment des gens pouvaient croire qu'on pouvait descendre d'un kangourou ou d'un aigle. En réalité, le groupe totémique, c'est un ensemble d'humains et de non-humains très divers qui partagent des propriétés qui sont issues d'un prototype qu'on va nommer avec un nom d'animal. Mais ce nom d'animal, c'est en réalité un nom de qualité qui sert à désigner une espèce animale. Donc ce qu'on va faire pour représenter ce prototype, on va représenter l'animal dont le nom sert à désigner la qualité englobante qui caractérise le groupe totémique. C'est très compliqué, hein. Le totémisme, c'est la chose la plus contre-intuitive possible qui soit. C'est pour ça que ça a sollicité l'intérêt des savants et des chercheurs depuis un siècle et demi. Et alors comment est-ce qu'on fait ? En l'occurrence, dans le nord-ouest de l'Australie, on a choisi ce dispositif qu'on appelle la peinture en rayon X, et qui consiste à représenter le prototype totémique en figurant son intériorité. Mais cette intériorité physique, c'est-à-dire ses organes, son squelette, etc. Donc d'une certaine façon, c'est un gabarit. Hein, c'est un gabarit au sens même le plus concret du terme, c'est-à-dire comme ceux que vous voyez chez les bouchers, où il y a les différentes parties de l'animal qui sont dessinées, parce que l'animal va être partagé entre les différents membres d'un collectif lorsqu'il aura été tué, et que donc il figure non seulement la structure du prototype, mais la structure des échanges qui sont possibles entre les membres de ce collectif par la répartition de la viande. Donc ça, c'est une façon de représenter. Vous remarquez qu'il n'y a pas de, il n'y a aucune interaction, il n'y a pas de paysage. Ce sont vraiment des gabarits. Hein, des... Oui. Alors je vais essayer d'accélérer. Alors là, on en a un bon exemple, c'est-à-dire La similarité de structure entre le kangourou antilope et un humain est rendue visible par le fait que le kangourou est dans une position qui n'est pas très caractéristique, mais elle permet de montrer qu'au fond, les mêmes, le gabarit qui est à droite se reproduit plus ou moins dans l'être humain qui est à gauche. Bon, même principe, là, sauf que ce prototype, ce n'est pas un prototype animal, c'est un humanoïde, et il porte en lui des objets rituels qui sont absolument fondamentaux à la vie sociale, dans ses poumons, dans ses testicules. Et ces objets rituels font que, au fond, tout ce qui est nécessaire pour
rendre le monde concevable, possible et habitable, il le porte en lui. Autrement dit, à la différence d'une figuration naturaliste, ce n'est pas un personnage qui se balade dans un décor, c'est un personnage qui porte en lui tous les éléments du monde. Alors, ça, c'est la partie nord-ouest de l'Australie. Dans la partie centrale, les aborigènes australiens ont utilisé une autre technique qui consiste à figurer non pas les êtres totémiques, mais les traces que ces êtres ont laissées. Et ces traces, elles prennent des formes tout à fait concrètes, ce sont des empreintes. Puisque, encore une fois, ces prototypes totémiques que l'on désigne avec des noms animaux laissent des empreintes qui correspondent à l'animal au moyen duquel ils sont désignés. Et donc, ces empreintes, on les trouve, par exemple, dessinées lorsque l'on raconte les récits relatent les péripéties des aventures de ces êtres totémiques. Et ce sont des sortes de pictogrammes qui sont tout à fait codifiés, comme on vient de le voir. Et ici aussi, vous voyez, il y a comme des fers à cheval dans ces dessins sur le sable. Ces fers à cheval, ça veut dire que un prototype totémique s'est assis dans le sol, sur le sol, et avec ses fesses nues, a marqué le sol de son empreinte. Et les tableaux tout à fait caractéristiques et très connus, il y en a de magnifiques ici au musée du Quai Branly, je vous invite à aller les voir, d'artistes contemporains aborigènes, en fait, présentent les mêmes traces, les mêmes indices de la présence de ces prototypes originaires et représentent donc autant de segments d'histoire de la formation du monde avec ces prototypes. Je vais maintenant passer à une dernière formule de composition de monde que j'ai appelée l'analogisme. Qu'est-ce que c'est que l'analogisme ? C'est l'idée que, au fond, le monde est composé d'une infinité d'éléments qui sont tous disparates, hétérogènes, et il faut pouvoir relier ces éléments disparates les uns aux autres avec différentes techniques de correspondance. Ces correspondances, elles sont fondées pour l'essentiel sur le raisonnement analogique, qui est une forme universelle de pensée, mais qui est particulièrement sollicitée dans les cultures analogistes, si vous voulez. C'est quoi les cultures analogistes ? C'est notre propre passé, hein, c'est jusqu'à la Renaissance. Ceux d'entre vous qui ont lu « Les mots et les choses » de Michel Foucault, il y a un très beau passage qui s'intitule un chapitre « La prose du monde » dans lequel Michel Foucault décrit les formes que la pensée de la Renaissance a développées pour penser les connexions. Eh bien, c'est un traité, si vous voulez, de connexion analogiste tel qu'il s'est déployé en Europe et évidemment aussi dès le Moyen-Âge et même dès l'Antiquité. Et j'ai choisi cette image en particulier parce qu'elle vient des très riches heures du duc de Berry, comme la première que nous avons vue tout à l'heure du naturalisme. Autrement dit, dans le même volume, illustré par notamment les frères de Limbourg, on a une image qui est tout à fait naturaliste, qui est celle d'octobre, hein, qu'on a vue tout à l'heure, et une image qui est tout à fait analogiste parce qu'elle représente la correspondance entre le corps humain et les signes du zodiaque. Or, une des façons, une des indices en quelque sorte d'une forme culturelle analogiste, si vous voulez, c'est la correspondance entre le macrocosme et le microcosme. C'est quelque chose dont les animistes se contrefoutent, et les totémistes aussi, si je puis dire, alors que c'est obsessionnel dans le monde de l'analogisme, c'est-à-dire où, eh bien,
dans notre propre passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines des cultures anciennes autour de la Méditerranée, en Extrême-Orient, dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, dans les hautes civilisations du Mexique et des Andes, etc. Et là, l'idée qu'il y a une correspondance entre le corps comme un monde en miniature et le grand monde est absolument centrale. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce manuscrit qui montre bien comment le XVe siècle est une période de transition, puisqu'on y trouve à la fois des éléments analogistes tout à fait caractéristiques, ce qui est assez normal, et puis les prodromes, en somme, de la figuration naturaliste. On en voit ici un autre exemple dans une toute autre partie du monde. La littérature védique est très riche sur les correspondances entre macrocosme et microcosme. Elle n'est pas toujours facile à figurer, cette correspondance, parce que dans les textes, on a, dans certains cas, des correspondances entre le corps humain, des éléments du corps humain et des centaines et des centaines d'éléments du cosmos. Et donc, évidemment, ça n'est pas figurable sous une forme simple. Là, c'est une image qui est probablement pédagogique, qui a été faite pour un officier britannique de l'armée des Indes. Alors, une façon intéressante de faire voir la connexion à l'intérieur d'une image entre des éléments disparates, ce sont ces tables rituelles qui sont caractéristiques des guérisseurs de la région andine. C'est une culture dite métisse, hein, c'est-à-dire qu'elle emprunte à la fois à la tradition précolombienne et des traditions plus modernes, et en particulier au christianisme. Et ces tables sont en fait, c'est la totalité de la table qui constitue une image, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un système de connexion, de branchement, si vous voulez, entre des éléments complètement disparates. Vous distinguez des armes, des bâtons de commandement, des fioles qui contiennent toutes sortes de liquides et de potions, des pièces précolombiennes et puis des éléments du chrétien. Il s'agit pour chaque malade, pour le thérapeute, pour le guérisseur, de tracer un chemin entre ces éléments de façon à rétablir par analogie la santé qu'il a perdue du fait qu'il a enfreint un interdit. Et donc, au fond, c'est une table de branchement qui permet un très grand nombre de branchements possibles entre ces différents éléments. Et ça, c'est caractéristique aussi, en effet, de l'analogisme. Là, c'est une autre façon, si vous voulez, de relier des éléments disparates. C'est un groupe de filiation, c'est-à-dire vous avez l'ancêtre tout en haut, et puis chaque génération du groupe de filiation qui sont figurés de façon légèrement différente à chaque fois, tout manifestant un style homogène, de façon à rendre évident le fait qu'ils sont à la fois différents mais reliés par un principe unitaire. Et c'est la même chose qui caractérise les chimères. Celle-ci était au musée du Quai Branly, elle a été rendue au Bénin, et qui ont ceci de caractéristique qu'elles réunissent des éléments physiques disparates, empruntés à plusieurs espèces, mais de façon telle que cette réunion paraît logique, c'est-à-dire qu'elle est... Elle a une fonctionnalité biologique. Les vraies chimères sont, quand je dis vraies, c'est celles qui ne sont pas simplement composées d'attributs symboliques. Elles donnent toujours le sentiment qu'elles pourraient avoir une vie autonome. Et je vais terminer sur cette chimère-là, qui est un masque de la Diablada d'Oruro, et qui est intéressant parce qu'il combine des éléments qui sont, comme pour la Mesa qu'on a vu tout à l'heure,
empruntés à la tradition préhispanique et des éléments contemporains. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la composition de cela, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les chimères sont prolifères, en quelque sorte, dans les mondes analogistes qui ont été soumis à la colonisation, ou avec une très grande inventivité, en quelque sorte, des éléments culturels qui proviennent de mondes différents ont pu être bricolés et fabriqués en chimères de ce type-là. Voilà, ce sont quelques exemples, au fond, de ce que des images peuvent nous révéler, de ce qu'elles transmettent d'une manière de composer des mondes, non à la fois évidemment par ce qu'elles figurent, mais aussi par les procédés qu'elles emploient pour rendre ces mondes pertinents et probablement vivables. Merci beaucoup, Philippe. On aura bien sûr l'occasion après de discuter, mais je ne sais pas ce que je fais avec le micro, mais je passe tout de suite la parole à Georges Didier Huberman, et puis on pourra ensuite discuter. D'abord, Anne, je voudrais te remercier parce que tu m'as donné l'occasion d'un grand plaisir, c'est-à-dire de discuter avec Philippe. C'est la première fois qu'on dialogue. Mais enfin, tout à l'heure, quand on s'est vu, le tutoiement est arrivé spontanément, ce qui est un bon signe. D'autre part, Anne, tu nous proposes un défi aussi assez difficile de parler en si peu de temps de ce que font les images, bon, de ce qu'elles transmettent. Les images font, ça c'est sûr. Les images sont fabriquées, les images fabriquent. Elle relève d'un faire et elle relève de ce qu'on appelle une façon, évidemment. Au début de la fabrique des images, Philippe, tu dis très clairement que une image ne représente pas seulement un objet de la nature, ça, voilà, mais une certaine vision du monde. C'était le point de départ de ton exposition. Une façon de voir. C'est un premier pas, je pense, très important, hein, il faut le faire, ce pas, selon lequel une image ne ferait que représenter quelque chose du monde visible. Ça, c'est une vision naturaliste, justement. Mais je voudrais dire que dès le début du tout premier traité d'esthétique en Occident, c'est-à-dire la poétique d'Aristote, la chose est déjà claire. Aristote dit que imiter ou représenter, ça peut s'entendre au moins de trois façons différentes. Soit on imite un objet différent, soit on imite avec un moyen différent, soit on imite sur un mode différent. Bon, par exemple, une image n'a pas du tout la même structure si elle cherche à imiter l'aspect d'un corps ou bien, par exemple, un geste. Elle n'aura pas la même structure si elle est faite en marbre ou si elle est faite à l'aquarelle. Elle n'a pas la même structure non plus si elle est faite en mode, je dirais, schématique ou en mode expressionniste, par exemple. Cette façon de voir, qui est très, très féconde déjà, a donné à l'autre bout, je dirais, et on est bien obligé d'aller très vite là ce soir, un développement historique et philosophique considérable dans la notion de forme symbolique. Élaborée par Cassirer, mise en contribution de façon extrêmement puissante, hein, par Erwin Panofsky sur la perspective comme forme symbolique ou les relations entre l'architecture gothique et la pensée scolastique. Et je pense, tu me diras si tu es d'accord, que ce n'a pas été sans influence sur la pensée anthropologique elle-même. Ensuite, de quoi, si je t'ai bien lu, tu fais appel à cette notion de agency, puissance d'agir.
où tu indiques au début des formes du visible, tu indiques suivre le sillage d'auteurs très importants comme Friedberg, Hans Belting, Alfred Gell, Bredekamp. Je remarque cependant que le grand apport de Bredekamp, par exemple, dans Théorie de l'acte d'image, un livre très important, ne date pas d'hier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tradition phénoménologique qui est assez malheureusement négligée aujourd'hui et qui faisait, par exemple, ça à titre d'exemple, qui faisait dire à Jean-Paul Sartre en 1935-36, l'image est un acte et non une chose. C'était déjà très important de le dire. À quoi il ajoutait, et là, déjà, on peut déjà discuter philosophiquement, il ajoutait, tout le mal est né de ce qu'on est venu à l'image avec l'idée de synthèse. C'est-à-dire une sorte de critique, sans le dire explicitement, mais enfin, une critique quand même très claire du kantisme. Alors, tu rappelles souvent, je t'ai relu, au début notamment des formes du visible, comment ton expérience de terrain a complètement bouleversé ta vision préalable, philosophique. C'est extrêmement touchant. J'avais adoré ton premier livre, Les Lances du Crépuscule. Bon. Et tu dis, donc au début des formes du visible, tous les niveaux analytiques qu'on m'avait enseigné à distinguer étaient mélangés. C'est-à-dire que rien chez les Achoirs de haute de l'Amazonie ne correspondait au type d'ontologie qu'on t'avait appris à, je ne sais plus où, Normal Sup ou des choses comme ça. Ça t'a amené à quelque chose de considérable, de très très important, à quoi beaucoup ont rendu hommage déjà, c'est ta mise en question salutaire donc de la vie, de la distinction binaire entre nature et culture. Alors, je vais essayer de suivre ton exemple, en revenant à des objets très anciens qui m'ont produit exactement ce même bouleversement. Dans les années 1430, à Florence, Frangelico restitue la figure, c'est-à-dire l'aspect physique supposé, du Christ enfant, symboliquement investi dans sa fonction royale, auréolée de gloire, mais également située dans un espace naturaliste, perspectif, balisé par cette colonne cannelée que tu vois dans le meilleur goût classique. Et ça, il n'y a rien de plus normal au regard d'un historien de l'art. Mais, juste en dessous, il y a ça. Sur la même surface de peinture, là, l'artiste a procédé autrement. Il y a un autre fer. Que font les images ? Ben là, il y a un autre fer. Il a balancé ou il a jeté des taches de peinture noire et blanche sur un fond rouge. Et là, je te cite, tous les niveaux analytiques qu'on m'avait enseigné à distinguer, là, j'ai été inopérant, bouleversé. En haut, le peintre imitait un aspect visible supposé de l'enfant Christ. En bas, qu'est-ce qu'il faisait ? Il effectuait un geste, je vais résumer bien sûr très très rapidement, mais il effectuait un geste, il imitait un geste que dans le vocabulaire évangélique, on nomme chrisis, chrisma, c'est-à-dire le geste qui vous rend Christos, Christ, ça veut dire oindre. Paf, tu jettes comme quand tu fais un baptême. À partir de là, ce qu'on pouvait entendre par figure, mais ça devenait complètement diffracté, complexe, aussi perturbé que pour toi peut-être la notion de nature dans le naturalisme occidental. Elle se diffractait, cette notion de figure,
au lieu même de cette peinture, entre, bon, semblance, dissemblance, aspect visible, procès visuel, sens littéral, trope détournée, théologie positive, théologie négative, franciscain, dominicain, bon, etc. Impossible de voir, dans tous ces aspects contradictoires, la conséquence d'une évolution continue. En plus, c'était entrelacé, contradictoire, discontinu. Plusieurs temporalités de plus pouvaient être référées à ce geste pictural. Du néoplatonicien chrétien, si on pense aux réflexions du pseudo-Denis l'Aréopagite qui disait que si on veut voir Dieu, il vaut mieux le voir dans les tachetures d'un marbre que dans la représentation figurative d'un roi. Du byzantin, si on pense aux représentations du Christ qui transparaissent dans les nuages colorés d'un morceau de calcédoine. Du médiéval occidental, si on pense aux autels portatifs du XIe siècle. Du gothique, si on pense à la réutilisation par l'abbé Suger de la même pensée du pseudo-Denis l'Aréopagite, l'importance des couleurs dans l'espace liturgique, la réutilisation gothique de pierres précieuses venues de l'Orient byzantin et de la Rome antique même, de la pré-Renaissance, si on pense à ces zones allégoriques peintes par Giotto à la chapelle Scrovegni, et même, je dirais, une sorte d'anticipation de ce qu'on verra quelques années plus tard chez Mantegna, dans les fonds de ses grisailles, qui sont elles-mêmes, ces peintures du XVe siècle, réminiscentes des matérialismes de l'Antiquité et de la magie plinienne des surfaces colorées, comme on le trouve à la Villa des Mystères, qu'on voit ici. Alors, que font les images ? Elles font signe, ça c'est sûr, elles savent faire signe, mais elles font aussi, j'appellerais ça, symptômes. Elles discernent, elles décrivent certaines choses et certains états de choses, mais elles savent aussi tout brouiller et tout mélanger. Elles s'inscrivent dans des structures, dans des formes symboliques, mais elles les bouleversent jusqu'à les faire imploser. Ce que je constate, c'est des exemples anciens pour moi, mais ce que je constate, c'est que toutes les images qu'il m'a été donné d'analyser relèvent de ce paradoxe, c'est-à-dire d'un double régime. Il n'y a jamais un régime de l'image. Et d'ailleurs, tu as montré à l'instant des exemples typique, où il y a un double régime de l'image. Mais moi, j'en vois partout, j'en vois dans des choses qui ont l'air n'avoir qu'un seul régime. Mais non, il y a de la conformité symbolique et il y a de la difformité que j'appellerais symptomale ou phénoménale. Je donne encore juste deux petits exemples avant de passer à un point plus théorique. C'est une crucifixion de Bertoldo di Giovanni, 15e siècle aussi, où la Madeleine, eh ben, c'est un personnage chrétien. Elle s'arrache une touffe de cheveux selon un rituel juif de deuil. Et cette touffe de cheveux qu'elle porte très haut comme un trophée n'est qu'une transformation structurale de la figure des bacchantes païennes. Donc on a du chrétien, du juif et du païen. Aspect païen que l'artiste assume d'ailleurs dans le traitement érotique du drapé, en sorte que tout cela évidemment vient faire symptôme, je ne sais pas comment dire, disruption dans l'iconographie chrétienne qui est quand même des femmes qui se lamentent au pied de la croix du Christ. Et c'est pour ça que Savonarole, par exemple, évidemment détestait ce genre d'image. Autre exemple qui est aussi pour moi très ancien, c'est un tableau très célèbre, hein, c'est la Dentelière de Vermeer, un tout petit tableau où le peintre représente deux fois du fil blanc, une fois entre les doigts de la jeune fille, dans le plus pur style, dans la plus rigoureuse technique naturaliste, hein, avec un pinceau qui fait peut-être un seul poil, c'est très très fin, et puis c'est
contredit violemment par la façon, par le fer donc, dont ce même fil blanc à côté du fil rouge a l'air de couler violemment juste à côté, presque formellement, informellement je veux dire, ou follement. Façon donc de faire symptôme par rapport à ce qui a été représenté juste à côté. Alors, qu'est-ce que font les images ? Elles font et elles font autre chose. C'est ça que je veux dire. Elles font toujours autre chose. Elles font et elles défont. C'est ce que j'ai appelé rapidement un double régime. C'est ce que Freud appelait la surdétermination. C'est ce que Benjamin appelait une dialectique de l'image. Il y a à la fois une structure identifiable et un événement désidentifiant, inquiétant. C'est pour ça que je pense aussi qu'une des catégories esthétiques les plus importantes, c'est l'inquiétante étrangeté de Freud. C'est-à-dire au sens où la familiarité de la dentelière cache par devers elle tout ce que Warburg appelait une histoire de fantôme pour grandes personnes. Alors j'ai parlé de symptômes, on peut parler d'anachronisme, on peut parler de dialectique ou de surdétermination. Ce que je veux dire, puisque je m'adresse à toi, que j'ai envie de discuter avec toi, c'est qu'est-ce que je dis là comporte comme conséquence sur ce que tu appelles des ontologies. C'est quoi une ontologie ? Une ontologie, c'est un discours, logos, ou une rationalité, logos, qui prétend rendre compte de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire des êtres en général, ta onta, et non pas de tel être en particulier. Souvent dans l'histoire de la philosophie, le terme ontologie a été pris comme synonyme de métaphysique. C'est une gigantesque histoire, nous n'allons pas la retracer. Je veux juste signaler quand même ce moment qui me semble très important dans la philosophie contemporaine. C'est la critique adressée par Emmanuel Levinas à toute ontologie occidentale, jusque chez Heidegger. Si l'ontologie, dit-il, est une philosophie de l'être, elle est donc une philosophie du même. Alors que l'éthique, selon Levinas, qui doit se situer avant cela, est fatalement une philosophie de l'autre. Du point de vue philosophique, une ontologie se définit donc d'être, de subsumer la variété des étants. On est d'accord. Ton point de vue anthropologique change la donne de façon magnifique parce qu'elle multiplie ça par 4. C'est... voilà. Mais le caractère généralisant, le caractère structurant et contraignant de chaque ontologie n'en demeure pas moins. Tu parles notamment dans ce magnifique dialogue avec Tom Ingold, tu parles de solidification, d'objectivation des schèmes intégrateurs, de stabilisation de composition des mondes, de modèle général de système de qualité, etc., etc. Il arrive, et tu l'as montré tout à l'heure, qu'une bulle analogiste s'insère dans un contexte naturaliste. Et tu le développes, par exemple, dans ton livre sur Archimboldo. Est-ce que les exceptions ne sont là que pour confirmer la règle ou pas? Quand tu dis par ailleurs, ce avec quoi je suis totalement d'accord, que le monde des images est capable d'anticiper des mondes qui ne sont pas encore composés, alors là je te suis entièrement. Là oui. Et là on est plutôt sur une philosophie, enfin moi j'associe ça à, par exemple, Ernst Bloch. Qui a pensé l'histoire de l'art comme une histoire de visionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'être visionnaire ? Voilà. Bref, tu as parlé au début, tu as utilisé un mot magnifique, hein, c'est l'ossature. Bien sûr, c'est la structure. Je dirais que reconnaître l'ossature, c'est vraiment important. C'est reconnaître l'intégration des images dans les compositions du monde. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il me semble qu'avec les images, c'est faire
la moitié du chemin. C'est manquer en fait l'autre temps, le contre-temps. Il y a un rythme, il y a une dialectique, il y a un double régime. L'autre temps, c'est, ça serait l'épiderme, ça serait, si j'écoute ton mot d'ossature, ça serait la chair, ça serait la phénoménologie, donc. Et il me semble du coup que les images requièrent tout autant une critique immanente, comme l'énonçait Benjamin, qu'un point de vue transcendantal, qui me semble être le tien. Dans la mesure où Vermeer propose deux approches picturales complètement hétérogènes du même référent, le fil blanc, au sein de la même minuscule image, dans la mesure également où le visage du Christ, enfant, et les taches de peinture font partie de la même image, c'est une erreur de les séparer, c'est la même surface de peinture. Je proposerai donc cette hypothèse. Ce que font les images, c'est pour répondre à Anne, ce n'est pas seulement s'insérer dans une ontologie qu'assurer le montage dynamique ou le passage entre deux ontologies au moins. Et je ne suis pas sûr que le terme doive être maintenu. Enfin, en tout cas, c'est un terme que j'emploie peu, ontologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a avec les images quelque chose qui va au-delà de toutes les craintes de Platon. Elles n'appartiennent pas à un genre d'être défini, les images. Elles transitent. Les images transitent. Les images extravagues même. En tout cas, elles transitent entre des genres d'êtres différents. Et c'est en cela qu'elles sont des images. C'est-à-dire, les images, même quand elles sont des objets, elles objectent à leur statut d'objet. Et c'est pour ça qu'elles sont des images. Et c'est pour ça qu'elles nous touchent aussi. Je dirais, il n'y a d'image que de l'autre. Il n'y a d'image qu'altérée, que altérante. Et c'est pourquoi aussi, sur un point méthodologique, qui serait un point de discussion entre nous, je pense toujours que la psychanalyse est quelque chose qui mérite d'être réintégré, repensé, parce que pour penser les questions d'altérité, de latence, de transmission occulte, comme c'est le cas avec l'histoire de l'art, il faut penser avec l'inconscient. Alors je dirais que les images également décomposent les mondes, c'est-à-dire qu'elles inventent des alternatives au conformisme partagé, j'emploie ce mot au pluriel évidemment, il y en a beaucoup de conformismes partagés par une même société. La structure où elles prennent place, c'est évident, bien sûr, enfin c'est évident, non, il faut l'analyser, bien sûr, c'est important de l'analyser. Elles prennent place dans une structure ou dans une ontologie, mais leur travail consiste à indiquer comment s'en évader, peut-être, c'est mon hypothèse en tout cas. C'est-à-dire, elles mettent en œuvre une façon constante de différer. On diffère ce qui est du même. On va vers de l'autre, on altère, on s'évade hors de toute stase. Et c'est ça que, depuis Aristote, c'est pour ça que c'était ma première image, c'est depuis Aristote, en Occident en tout cas, ça n'est que l'Occident, mais on appelle ça l'imagination, c'est-à-dire la faculté de faire des images. Voilà. Merci beaucoup, Georges. Alors, peut-être pour vous laisser le temps juste un tout petit peu de discuter autour de cette question, du bouleversement des catégories, d'ailleurs, que Georges rappelle comme étant quelque chose que vous avez éprouvé tous les deux, finalement, dans le processus de recherche ou de formation intellectuelle, en tout cas des catégories préconçues, et comment se reconstituent celles-ci, ou au contraire, dans la recherche de quelque chose qui serait propre à l'image, si j'ai bien entendu Georges, qui résisterait finalement à cette forme de catégorisation, en tout cas. Donc moi, je pense que ça vaut la peine
On est déjà très mal barré. Donc, ça vaut la peine de vous entendre tous les deux un petit peu, et puis peut-être quand même de laisser un tout petit peu de temps à des gens qui voudraient déjà. Mais peut-être, Philippe, si vous avez envie de revenir sur le commentaire de Georges. Merci, Georges, pour tes remarques qui m'ont achevé de me convaincre de ce que c'est dire quelque chose sur les images est désespérant, au fond, parce que... les images excèdent toujours ce que l'on peut en dire. Tu l'as bien montré avec les exemples que tu nous as fait voir. Tu parlais de la moitié du chemin. Je trouve que c'est une très bonne expression. Et la moitié, c'est encore très généreux. Je pense que ce que l'on peut faire lorsque, comme j'ai tenté de le faire, on essaye de faire coïncider des régimes d'images avec des régimes ontologiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par ontologie ? C'est pas la science de l'être, c'est au fond ce que disait Russell, c'est l'ameublement du monde. Alors, l'ameublement du monde, il varie en fonction de ce que nous trouvons plus ou moins pertinent dans ce que nous observons, dans ce que nous imaginons, justement, avec des filtres. Et ce sont ces filtres qui sont des filtres ontologiques, c'est-à-dire qui nous enseignent à voir comme pertinent tel ou tel élément du monde et pas un autre. Cela dit, ces filtres ontologiques, ils n'ont qu'une efficacité relative, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à tout moment, un humain normalement constitué va pouvoir percevoir des éléments du monde qui vont lui donner cette faculté imaginante que tu évoques et qui va dépasser au fond les habitudes qu'il avait prises depuis son enfance et dans le cadre de la socialisation à laquelle cet humain a été soumis, qui vont lui permettre de dépasser ce qu'il a l'habitude de construire comme un monde qui lui est propre et qu'il partage avec d'autres collectifs autour de lui. Et donc, au fond, nous pouvons nous-mêmes, chacun d'entre nous, faire des inférences animistes. Ça nous arrive à tout moment lorsque on parle avec des non-humains ou lorsqu'on se fâche contre son ordinateur ou sa voiture lorsqu'elle tombe en panne, etc. De la même façon, nous pouvons faire des inférences analogistes si nous consultons notre horoscope, même si ce n'est pas à partir d'une conscience très claire qu'il y a un rapport entre les étoiles et notre propre destinée. Néanmoins, cette idée d'une correspondance est là. Et donc, à tout moment, nous pouvons faire des inférences de ce type. Et ces inférences, tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'à certains moments, elles sont stabilisées par des habitudes partagées et renforcées aussi par des textes et par des récits et évidemment par des images. Mais cette relative cohérence que l'anthropologue essaye de mettre en évidence dans la diversité des images du monde, elle est fragmentée, comme tu l'as bien montré, par des sauts dans l'imagination, par le choix de techniques différentes, par des pulsions, et tu as eu raison de parler de l'inconscient, qui vont complètement transformer, au fond, un modèle qui paraissait classique, se conformer, au fond, à des habitudes intellectuelles et perceptives rendues visibles dans les images. Et c'est ce qui fait, au fond, le charme, le mérite et la grandeur du travail que vous menez comme historien de l'art, c'est-à-dire de dépasser précisément ces grands modèles, parce que vous vous intéressez à la manière dont des individus singuliers vont dépasser leurs conditions de d'artistes, disons, ou d'imagiers élevés dans un certain milieu pour tout d'un coup donner à voir quelque chose qui n'existait pas auparavant, que personne n'avait songé à rendre visible. Et on en a des exemples ici dans ce musée, d'ailleurs. Au pavillon des sessions,
L'un des exemples qui, moi, me frappe le plus, c'est cette fameuse cuillère qui ressemble à une statue de Brancusi et qui est au pavillon des sessions. Qu'est-ce qui est passé par la tête du type qui a fabriqué ça? Enfin, on peut supposer, c'est un type, je ne sais pas, c'est peut-être sexiste, mais... on sait à peine d'où ça vient, c'est probablement la région Zoulou, on n'a pas d'autres exemples de ça, donc tout d'un coup, tchoup! Il y a quelqu'un qui a tout d'un coup poursuivi, s'est laissé emporter par son imagination, qui a produit cette chose extraordinaire qui nous émeut, qui nous touche. Et c'est donc la grande difficulté, en effet, de lorsque l'on s'efforce de faire des modèles comme celui que j'ai proposé, de buter constamment tout d'un coup, quelqu'un vous échappe, c'est comme du sable, il nous glisse entre les doigts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la moitié du chemin que les imagiers font, c'est beaucoup moins. Mais je retiens, bien sûr, tu as bien fait de préciser que ta notion d'ontologie n'a strictement rien à voir avec une métaphysique. Je pense que je t'entends très bien là-dessus. Et en même temps, je vois bien qu'en dehors des problèmes d'histoire de l'art, d'érudition, de tout ça, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche, mais il y a un problème philosophique à la base de tout ça. Tu viens de parler de cette expression extraordinaire que je ne connaissais pas, hein, l'ameublement du monde. Bon, qu'est-ce qu'on appelle l'ameublement du monde? Est-ce que le monde ne serait pas plutôt en perpétuel déménagement? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Que l'appartement n'est pas encore meublé, ou alors les meubles vont dans tous les sens. Si tu vois Goya, ou si tu écoutes lorsque Brecht dit « Le sujet de l'art, c'est le désordre du monde. » Et j'avais été frappé, je crois, dans ton livre, ou dans l'exposition, non, dans ton livre, Les formes du visible, par ton idée que l'analogisme serait un remède, hein, je ne me trompe pas, je crois, serait un remède contre la dispersion du monde. Et si la dispersion du monde était plutôt le sujet, ou le non pas quelque chose à remédier, mais quelque chose à accompagner, à faire œuvre avec. En tout cas, c'est ce que dit Brecht. Le sujet de l'art, c'est le désordre du monde. C'est intéressant, non? Oui. Alors, ce que fait l'anthropologue, c'est que... Et en fond, l'anthropologie, elle est née dans les musées. Et on est bien placé ici pour en parler. Elle est née d'un désir de mettre de l'ordre dans avant même le début de l'ethnographie, c'est-à-dire avant même le début du développement d'enquêtes approfondies par observation participante dans différents endroits du monde, il s'agissait pour les premiers créateurs de musées ethnographiques d'essayer d'organiser au fond les objets qui leur étaient amenés des quatre coins du monde et en traçant entre eux des ressemblances ou des différences. Et je pense que l'anthropologie a hérité de cette obsession quasi prométhéenne de réduire le désordre. Et c'est d'où, au fond, la caractéristique de l'anthropologie par rapport à d'autres sciences historiques comme l'histoire de l'art, qui est de la comparaison. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait tenir ensemble tel objet ou tel mythe ou telle opération rituelle ou telle institution avec tel objet ou telle institution, etc., dans telle partie du monde. Alors, au fond, on a inventé différentes procédures pour les faire tenir ensemble. La plus classique est celle qui implicitement organise encore, sinon les musées, en tout cas une certaine façon de penser, c'est l'évolutionnisme, hein, c'est-à-dire que c'est des formes qui se succèdent les unes aux autres. La deuxième, c'est celle qui organise alors de fait les musées, c'est-à-dire c'est les aires culturelles,
C'est-à-dire que tel objet a un rapport avec tel autre objet parce qu'ils viennent de régions dans lesquelles des gens pensent de la même façon. Et une autre façon, qui est plutôt celle que moi j'ai développée, qui est au fond, donc, que je dois à Claude Lévi-Strauss, paix à son âme dans ce théâtre, qui est au fond une approche structurale, c'est-à-dire que chacune des manifestations de l'inventivité humaine ou des institutions auxquelles nous nous intéressons est une transformation d'autres institutions. Et c'est comme ça que je vois au fond les quatre. C'est pas des ontologies d'ailleurs, j'appelle ça des modes d'identification, c'est des systèmes de filtres. C'est comme ça que je vois ces systèmes de filtres, comme des transformations les unes des autres, qui fait qu'aucune de ces transformations n'est supérieure à d'autres. Et c'est ça, c'est important pour lutter précisément contre l'idée évolutionniste d'un progrès, par exemple, dans la figuration, qui est une chose complètement absurde, mais qui est encore implicitement le cas pour beaucoup de gens. Je pense que les habitudes disciplinaires jouent un rôle de ce point de vue-là. Personnellement, je n'ai jamais abandonné la leçon de Lévi-Strauss sur la question de la transformation structurale. Donc là, je te suis complètement. Simplement, ce que je pense, c'est que il y a un niveau peut-être plus philosophique de savoir comment on la pense, cette transformation. Et c'est pour ça que je reviens à cette idée, cette citation de Jean-Paul Sartre. Tout le mal est venu de ce qu'on a pensé l'image à travers l'idée de synthèse. Et alors moi, je suis plutôt là un disciple de Walter Benjamin qui commençait l'un de ses livres les plus importants en disant « Je vais essayer de faire comme Goethe. Je vais voir comment, entre la synthèse qui cherche le concept et l'agrégat qui est complètement dispersé, quelle serait l'autre possibilité, une autre possibilité méthodologique qui ne sacrifierait pas tout à la synthèse, ni à la dispersion ou à l'agrégat. Voilà. C'est ça l'enjeu, peut-être philosophique. C'est pour ça que je parlais de la moitié du chemin. Oui, je pense que tu as raison sur l'enjeu philosophique de Goethe en particulier. J'ai essayé de me couler dans cette démarche goethéenne qui est celle de la jeunesse des formes des plantes, hein, qui est un travail remarquable fondé sur l'idée qu'il y aurait une plante originaire, une Urpflanz, à partir desquelles, dont la structure se serait développée ensuite, mais une plante réelle dont il n'avait pas perdu l'espoir un jour de la découvrir, et dont la structure, en fait, en se développant, aurait constitué autant de transformations de cette plante originaire. Et la démarche que j'ai suivie dans ce livre, Les formes du visible, c'est une démarche goethéenne en ce sens-là, c'est-à-dire que la Urpflanz, c'est cette idée d'un contraste entre intériorité et physicalité, décliné de quatre façons possibles et qui se déploie à partir de cette intuition originaire, oui, dans quatre formes distinctes qui sont autant de manières en quelque sorte de donner corps à des intuitions, à des images, à des récits, à des institutions. Et ce que rajoute Benjamin à cette notion, c'est que le Ur, l'originarité, l'origine, Ursprung, elle arrive à tous les moments. Elle n'est pas en amont. L'étage de Fra Angelico, c'est du phénomène originaire pour moi. C'est un phénomène originaire, juste parce que c'est. Et donc, ce n'est pas comme ce que tu as développé sur le totem, l'originaire au sens du totem. C'est un originaire qui arrive à tout moment. D'où l'intérêt aussi de mélanger les époques de l'histoire de l'art. Mais bon, excusez-nous. Hein, on pourrait discuter entre nous pendant longtemps. Mais ça devient. Merci beaucoup. Non, je crois que ça serait bien d'entendre un petit peu, enfin, du moins si des gens veulent vous poser des questions
Bien, monsieur, moi, je crois qu'un micro va vous parvenir par la gauche, par votre gauche. Merci. Merci, merci, bonsoir. Dans la dernière chose que vous venez de dire, monsieur Didier Huberman, entre l'agrégat et la synthèse, pour moi, il me semble qu'une image, en fait, c'est un système dynamique. Un système dynamique, c'est une machine psychologique, enfin, une machine qui anime la psychologie de celui qui regarde. Et je me demandais où... Enfin, moi, je vois l'image comme ça. Je me demandais où est-ce que ça a sa place dans ce que vous avez présenté, donc entre la synthèse ou l'agrégat. Pour répondre en un mot, je me référerai à un historien de l'art qui est pour moi crucial, c'est Abi Warburg, qui se définissait comme psycho-historien. Et c'est le sens de ma remarque tout à l'heure sur la psychanalyse, qui est que je ne vois pas encore de meilleur moyen que certains concepts psychanalytiques, notamment relatifs au temps, à la temporalité, pour comprendre ce que sont les images. Et je tiens l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire quelque chose qui, au sein de tous les naturalismes que vous voudrez, introduit un animisme permanent. Hein, l'inquiétante étrangeté me semble être, par exemple, un des concepts esthétiques les plus importants qui soit. Donc, je suis... Profitez-en, hein. C'est le moment jamais. Bonjour. Déjà, merci pour la discussion. C'est très intéressant. J'ai une question plus pour Descola, puisque Judith Huberman a parlé de tâches de peinture, qui est une forme, on va dire, informelle d'une modalité. Puisqu'on a vu dans tous les exemples que vous avez montrés des Scola qui étaient des figures, on va dire, très normées, des éléments de différents animaux, différents objets, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'informel dans ces différents modes que vous avez parlé, animiste, naturaliste? Est-ce qu'il y a des formes non conclues, qui sont un peu formes transitives, qui n'ont pas de fin, qui sont juste toujours en transformation? Je ne sais pas, ma question est très claire. Non, je comprends très bien. Le formel ou l'informel n'existe que parce qu'il y a du formel. Et donc, c'est le contraste que nous a montré Georges Didier Huberman dans cette peinture. Et ce qui frappait dans l'informel, c'était par rapport à la formalité du reste. Et donc, l'informel en tant que tel est difficile à identifier s'il n'est pas juxtaposé à du formel ou présenté de façon à trancher avec du formel. Alors, il y a beaucoup d'images informelles en ce sens que, par image, il faut entendre quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une figuration en deux dimensions. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure, par exemple, ces personnages qui dansent pour devenir un oiseau, c'est une image. Est-ce que c'est une image informelle? Elle est toujours fondée sur l'équivoque, au fond, de ce que on ne sait pas très bien ce qu'elle montre. Alors, elle montre, bien sûr, parce que on sait qu'à l'intérieur d'une certaine culture, il est important de rendre animés des êtres qui sont des analogues d'esprit, par exemple. Mais on n'est pas conduit véritablement par la main pour en inférer cela. Et donc, c'est là que gît l'informel. L'informel gît aussi dans l'hyperformalité, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler l'aniconicité, c'est-à-dire dans ces exercices de fabrication d'une image à partir d'éléments aniconiques. Anne-Christine Taylor a écrit un article fascinant là-dessus, dans lequel elle parle des peintures corporelles, en tout cas des peintures faciales
amazonienne comme étant des dispositifs iconogènes, c'est-à-dire produisant des images, alors qu'ils sont fondés sur des éléments qui ne sont pas iconiques en tant que tels. Ce sont des ronds, des lignes brisées, des traits, des points, etc., qui font référence à une image qui a été pensée et qui a été vue en réalité par la personne qui se transforme le visage ainsi, mais qu'il est le seul à connaître, hein, puisque c'est une révélation qu'il a eue dans une transe hallucinogène, etc. Alors où est le formel et l'informel là, c'est une distinction qui m'a lésé à maîtriser, puisque on a effectivement des formes qui permettent de produire une image mentale à partir d'éléments aniconiques. Et on peut penser d'ailleurs que une grande partie, je vais pas rentrer dans la peinture dite abstraite, mais dans la tradition aniconique, disons que ce qu'on pourrait appeler la peinture décorative dans bien des régions du monde, a cette fonction iconogène, c'est-à-dire elle a la fonction de susciter des images qui ne sont pas homologues à ce que matériellement elle figure ou ne figure pas d'ailleurs. Il y a une question là. Vous pouvez lever la main, oui, comme ça, pour qu'on puisse vous donner un micro. Oui, c'est une question pour revenir au thème du début, filiation et figuration. À travers vos deux interprétations, et ce qu'on sait des Coq-Hutel, de Boas, et relu aussi par Lévi-Strauss, et relu aussi par vous au niveau des bâtons de transmutation, quoi. Donc il y a l'interprétation de Lévi-Strauss, le masque et la transmutation, mais maintenant ce qu'on sait des Coq-Hutel, il y a différents musées qui sont aussi ici en plein air, différents objets que vous avez montrés, dont certains sont ici. Est-ce que ce n'est pas possible d'envisager le site? Parce qu'à la fin, c'est le même principe de transmutation, homme-poisson, homme-oiseau, vous l'avez montré sur les masques qui s'ouvrent, mais aussi sur les bâtonnets et aussi sur les totems. De prendre le site, finalement, c'est le même principe de variation, pour autant qu'on connaisse le site. Et donc là, on aurait la bascule transmutation nature dans leur culture à eux, à supposer qu'on puisse définir le corpus, parce que les Coq-Hutel au nord de Bella Bella, on ne sait plus trop, ça se disparaît dans les glaces pour montrer le difforme, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité là d'examiner plus extensivement les transmutations et les figurations, quoi. Alors la question du site est importante, en effet. Une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai été voir des villages Tsimshian dans le nord de la Colombie-Britannique, c'est le rapport qui existe entre les mâts héraldiques et la forêt. Et on a vraiment l'impression d'un écho entre, d'un côté, ces gigantesques arbres qui sont des red cedars, hein, des cèdres rouges, qui bordent les villages, et au premier plan, ces mâts héraldiques qui, encore une fois, sont comme une sorte d'écho, de répétition de la forêt derrière, alors que leur fonction est assez différente, puisque le mât héraldique, c'est une façon de rendre visible une histoire mythique liée à une maison. Et donc, par une histoire mythique qui peut prendre la forme d'un blason. Et donc, je pense que c'est le grand problème des musées, au fond, c'est qu'on n'a pas le site. Ce que nous voyons, que ce soit le grand mât qui est dans l'entrée du musée ou les masques que nous voyons dans les vitrines, nous ne les voyons pas en acte. Et pour revenir
à ce que disait Georges Didier Huberman au début. Les images font, les images sont actives, les images sont des agents de la vie sociale. Et le grand drame des musées, c'est que ce soit d'ailleurs pour des objets qui sont pour des images rituelles, parce que pour l'essentiel, les images avant la Renaissance sont des images rituelles. Et ici, le musée, c'est un dépôt d'images rituelles. On ne les voit pas fonctionner comme des agents, précisément. On les voit simplement dans leur stade terminal, comme des symboles de quelque chose, et ou des symptômes, peut-être. C'est très compliqué, parce qu'il faudrait pour chaque objet, et c'est ce qu'on ne fait dans aucun musée d'art dans le monde, d'ailleurs, on reproche quelquefois au musée d'ethnologie, on l'a reproché à ce musée-là aussi, d'être très économe dans les explications dans les cartels, mais aucun musée des beaux-arts, vous ne trouverez pas ça au Louvre non plus, n'est très explicite sur une annonciation italienne qui suppose au fond des superpositions dans des couches de connaissances que la plupart des visiteurs n'ont pas. C'est la même chose ici. Et pour cela, il faudrait rendre compte de la vie des objets à différents niveaux. C'est-à-dire, il faudrait rendre compte, pour prendre par exemple ces masques, l'exemple de ces masques que j'ai montré au début de Yupi, il faudrait les montrer dans les circonstances où ils sont utilisés de façon rituelle à l'origine, les conditions dans lesquelles ils ont pu être acquis par des prospecteurs, par des trappeurs, par des missionnaires, etc., et où ils sont devenus des objets de curiosité, des objets plus ou moins folkloriques dans un contexte familial, le moment où ils ont été systématiquement collectés par les grands musées allemands, en particulier à la fin du 19e siècle, et où ils sont rentrés dans les musées, et le moment où ils sont devenus des valeurs marchandes. Et à chaque fois, au fond, l'objet se métamorphose, il se transforme parce qu'il a une fonction différente. Et donc, cet aspect de la vie sociale des objets, cet aspect de la puissance d'agir des objets, se modifie avec le temps en fonction de leur trajectoire biographique. Et c'est très difficile de rendre compte de ça dans un musée. Alors, peut-être une dernière question. Madame, oui. Bonjour, pardon pour mon français, mais c'est pour Didier Huberman. Je voudrais savoir si vous pouvez parler un peu plus sur quelque chose que vous avez dit sur l'imagination et la faculté qui nous permet de faire les images. Et si aussi il y a un papier sur la mémoire et l'imagination pour faire les images aussi. Merci. Pour répondre très brièvement, aussi bien psychiquement que historiquement, mémoire et imagination sont complètement liées, évidemment. En particulier dans les exemples que j'ai montrés de Fra Angelico, il ne faut pas oublier que tout ça se situe dans un couvent qui fonctionne lui-même comme une sorte de lieu de mémoire. Chaque cellule des moines, des deux frères dominicains plutôt, est un lieu de mémoire. Ce couvent comporte une bibliothèque, mais c'est extrêmement important de le savoir. Si un peintre est dominicain, ça veut dire que, comme novice, il a déjà lu la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui était un livre de formation pour les novices, hein, qui était un livre pour les gamins de 16 ans, et qu'ils avaient tout ça en mémoire. Il faut savoir ça aussi. Donc, la question de la mémoire, elle est fondamentale, bien sûr. Maintenant, d'un point de vue
plus théorique. Il faut savoir comment, justement, la question que pose Anne Lafont, à laquelle on n'a pas complètement répondu, c'est comment ça se transmet. Voilà. La question des transmissions est extrêmement complexe. Il y a des transmissions qui se font, je dirais, par tradition. Je veux dire, on n'a jamais oublié de lire Homère, par exemple, dans l'Occident. Mais il y a des choses qui semblent disparaître et qui ressurgissent et pour lesquelles le modèle justement qui me semble plus pertinent est un modèle dans lequel la question de la mémoire dépasse de loin celle de ce qu'on pourrait appeler des souvenirs conscients ou même une culture consciente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... D'où, selon moi, alors ça c'est très intéressant d'en discuter avec toi aussi, le fait que la notion de afterlife, la notion de survivance, y compris chez Taylor, qui a été très durement critiqué par Lévi-Strauss, me semble garder une certaine valeur d'usage. Mais ça, bon, c'est une grande question. Oui, c'est le concept de Nachleben chez Warburg, c'est-à-dire la survivance des images, la survivance à la fois de la forme et la survivance de ce qu'elles évoquent dans un vagabondage infini. Et c'est vrai qu'il y a relativement peu de travaux. Au fond, le grand projet de la mimésis de Warburg était en partie fondée sur cette idée de pouvoir élucider ce vagabondage, mais il demanderait les historiens de l'art sont au fond bien armés pour le faire. En anthropologie c'est plus difficile parce que on n'a pas toujours la profondeur historique. Mais je pense aussi que par exemple, un anthropologue qui me semble avoir été très très fécond pour nos études d'histoire de l'art, c'est Leroy Gourhan, dans le sens où la notion de chaîne opératoire permet de comprendre pourquoi au XIIIe, XIVe siècle à Florence, on se met à faire des objets qui ressemblent exactement, c'est les mêmes, techniquement, c'est la même chose que les imagines des Romains, dont on ne connaissait rien matériellement, dont on avait des descriptions assez vagues d'ailleurs de Pline l'Ancien. Mais la notion de chaîne opératoire, c'est-à-dire quelqu'un est mort, on fait un moulage en plâtre, après on coule de la cire, on met des yeux en verre, on met des faux cheveux, etc. Et, ben, c'était exactement ce que faisaient les Romains, c'est ce que font les Florentins dès le XIIIe siècle, hein, c'est avant la Renaissance, et c'est ce que fait Madame Tussaud bien plus tard. Voilà, c'est ça, c'est une survivance. À travers la notion de chaîne opératoire, Madame Tussaud, elle sait pas ce que c'est qu'une imago romaine. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux. Vraiment, merci aussi aux gens d'être venus. L'avantage, c'est que vous pouvez vraiment prolonger en lisant leur livre. Et puis, pour nous, je vous propose qu'on se retrouve le 25 janvier avec Éric Baudelaire. Et si je me rappelle bien, et du coup, j'ai un petit doute, mais je crois quand même que s'il a intitulé son intervention, c'est un artiste, un plasticien, il y aura aussi la diffusion de ses films, « Faire avec », je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je rectifierai sinon le 25 janvier. Merci beaucoup. Et merci à vous encore.